Suite à une mauvaise manipulation de ma part, il me manque 4 heures d'enregistrement qui sont malheureusement inaudibles. Pour m'excuser, je vous propose un bref résumé de la campagne depuis le début et nous enchaînerons par la suite du récit des aventures décrites dans le recueil du professeur Smith. Tout commence à Londres au mois de janvier 1923, où Mademoiselle Gladys Porter, messieurs Ian Stevens et Vincenzo Reggiani, ainsi que le Lord Richard Greville, sont invités à la conférence de leur vieille connaissance, le professeur Julius Arthur Smith. Après une conférence un tant soit peu soporifique, ils se font inviter par le professeur Smith et son majordome Beddoes à manger le lendemain midi. Malheureusement, il ne viendra pas au rendez-vous et les investigateurs le retrouveront dans un appartement perdu dans Londres. Il leur expliquera qu'il se trouve sur la piste d'un artefact, le simulacre de Sedefkar, et qu'il pense que cet objet est la cause de ce qui lui arrive, y compris l'attaque dont lui et Beddoes ont été victimes la veille. Il demande aux investigateurs de prendre sa suite en se lançant à la poursuite du simulacre de Sedefkar en traversant l'Europe à bord du fameux train Orient Express. Avant de prendre la route pour Paris, les enquêteurs veulent tirer au clair l'affaire de l'attaque sur leur ami. Leur piste les mène vers le magasin d'un certain Macriat, homme qui serait mort 3 fois dans la même nuit. Après plusieurs investigations, ils tombent sur un article qui leur parle d'une personne qui serait disparue après avoir acheté une réplique d'un train au magasin de ce fameux Macriat. Après avoir enquêté chez le disparu, ils mettent la main sur la réplique du train et décident de la mettre en route chez le Lord. Par un étrange phénomène surnaturel, ils doivent se rendre à l'évidence qu'un véritable train traverse le salon du Lord, Gladys étant pris d'une irrésistible envie de monter dans le train. Le groupe n'a pas d'autre choix que de la suivre. Ils s'engagent donc tous dans le train en se faisant un chemin à travers les passagers fantomatiques. Ils tombent alors sur le malheureux disparu et dernier propriétaire du train, ainsi qu'un mystérieux personnage, Randolph Alexis. Celui-ci leur explique que pour rejoindre la vie réelle, il leur faudra reconstituer un train à partir d'organes humains, ce que notre groupe ne tarde pas à faire, sacrifiant le pauvre Henri Stanley. À la suite d'un rituel des plus horribles, nos investigateurs arrivent à rejoindre leur terre natale, tout juste à temps pour sauter d'un train en marche. À la suite de cette terrible aventure, après s'être reposé quelques instants, ils décident de partir pour Paris, à la recherche du fameux simulacre de Sedefkar. Avant de partir, le professeur Julius Arthur Smith leur a fait parvenir un ancien livre qui raconte une de ses aventures passées. À bord du train, ils décident de lire ce recueil et de suivre les aventures de 4 personnes aidant le professeur Smith en 1893. Cet ouvrage commence donc quand George Banks, Amelia Meadowcroft, Cassim Pollat et le professeur Worth arrivent dans la demeure de Smith en 1893. Ils y découvrent un homme au bord de la mort allongé sur le lit. D'après les dires du professeur, cet homme serait un de ses anciens étudiants. On peut voir que cet homme a un fez rouge vissé sur la tête. Puis, dans un dernier râle, cette chose mi-humaine, mi-monstre attaque les investigateurs. S'ensuit une bagarre épique dans l'appartement. Une fois cette créature réduite à néant, le jeune professeur Smith leur explique que cet objet est originaire de Constantinople et que certains sont prêts à l'acquérir coûte que coûte. Il leur parle d'un ancien ennemi, Menkaf, qui serait lui aussi sur la piste de ce fez et qui en voudrait personnellement au professeur Smith. C'est ainsi que nous retrouvons nos 3 investigateurs des années 1890 à bord du merveilleux Orient Express. Malheureusement, ils se rendront vite compte que leur compartiment est peuplé de Turcs et d'hommes agissant pour le compte de Menkaf. Ils tomberont même nez à nez avec cet individu pendant la nuit. S'ensuivra un combat épique dans le couloir de la locomotive où Mademoiselle Meadowcroft brillera de son savoir martial. Après avoir mis toute la petite équipe de Menkaf hors d'état de nuire et récupéré un livre dans les affaires de Menkaf, les PJ sont descendus à Vienne, la police voulant leur version de l'affaire. Ils seront accueillis par le baron Von Hofler, connaissance du professeur Smith, qui finance toute cette aventure. Vous êtes retrouvé embarqué au poste de police à Vienne. Les donc en fait ils ont embarqué tous les tout le monde qui avait dans le wagon pour interrogatoire. Donc vous vous retrouvez au poste de police avec Henri Peters, le conducteur de du wagon, enfin celui qui est là dans le wagon, tous les PNJ qui étaient donc avec vous, plus les cadavres. Plus, on a envoyé directement à l'hôpital, donc Menkaf qui est encore en vie, il est là-bas pour les premiers soins, enfin pour essayer de le maintenir en vie. Les restes de l'autre, ils sont disloqués, c'est pareil, ça a été emmené par les ambulances. Le gars Myers, qui est pas bien en point non plus, pareil, à l'hôpital. Et, pardon? Quoi?
Je connais dans mon Et micro. là, Madame Myers a été, elle veut être, enfin, va être entendue par la police aussi. Le baron vous accompagne, car il a dit qu'il était garant de vous. Donc en fin de compte, bah, tout ce petit monde-là est embarqué. Vous vous retrouvez dans le commissariat. Dans le commissariat avec tout ce petit monde-là. Alors, je sais pas dans quel état vous êtes. Je sais pas si vous aviez perdu des points de san ou pas. Non, il n'y a pas eu de perte de san. Il y a eu une perte de points de vie par contre. Peut-être, je sais plus. Ouais. Très peu, Même ouais. pas. Bon, tout le monde va à peu près bien. Non. Ouais, on voit les couards, quoi. Il y a le baron qui vous dit alors vous avez toujours le fez ou pas? Alors, pour petit rappel, hein, le baron c'est le PNJ, enfin c'est le PNJ, c'est celui qui a embauché, enfin c'est celui qui finance votre venue à Constantinople et votre séjour à Constantinople. Et c'est un ami du professeur Smith. Ok? Un être très douteux. Ah non, Plutôt pardon. qui attire la poisse, encore un Donc qui attire la poisse. c'est quelqu'un Mais qui est après, je pense assez qu'on peut le c'est quelqu'un rassurer qui est assez attiré par tout discrètement. ce qui est occulte. Donc c'est pour ça qu'il était intéressé par le livre et toute l'histoire du Fez. Ok? D'accord. Donc ouais, il vous demande si il vous demande alors vous avez encore le livre? Il vous demande en vous savez comme ça ouais en chuchotant sur le En côté quoi. aparté? Le Le fez, livre, pardon, le fez. le fez. Bah, on D'accord. l'a toujours, de toute façon. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, t'as si exactement? tu. Ce qu'il va falloir raconter. Alors là, vous êtes en attente, hein. Vous êtes en attente de prendre vos dépositions et il va falloir raconter ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Je vous rappelle. Ouais. Et après. Ah, Longue histoire. on est dans une salle d'attente du T'es pas dans une commissariat, salle mais on d'attente, est t'es dans tous le ensemble, tous commissariat, ceux du t'es dans le compartiment dans commissariat la avec même les mecs salle. qui tapent, enfin voilà, tu vois la scène Oui, quoi. non, C'est mais dans la salle. un gros commissariat où t'as tout le monde à l'intérieur qui est en train de taper des textes, t'es mis de côté, vous êtes sur un banc. On vous entend sans vous entendre, on va dire. Disons que c'est difficile. On peut tout simplement dire qu'on nous a agressés pour nous prendre cet objet, le chapeau. On tous Et agressés alors là, c'est pour le toujours Baron qui chapeau. parle. Et vous avez des témoins? Aucun. Bah si, il y a Peter ce qui était là, non? Oui. Qui peut dire qu'il c'était des Il était pas personnages là lors de douteux. l'attaque. Mais oui, il peut dire. Ah, il était pas là. Ah, Ouais. il était Ouais. là au début et il est parti Non, après, ou il est il est revenu parti en cours donner de l'alarme. route? Voilà. Appeler les flics. Non, il est parti appeler les flics. Ouais. Il est parti balancer un télégramme. Ouais. Bah, il y a Oui, il y Madame a Meyers Myers, mais. aussi. Bah, Et Myers, il y a Madame elle est pas en Meyers super bon état. là, Elle est un après. peu affolée, un peu. C'est pas ce qui se passe. Elle voudrait voir son mari. C'est affreux. Au secours, mon Dieu. Qu'en soit, on est rentré parce que on avait des doutes sur Monsieur Meyers qui était mourant. Bah, Après, Madame on a Meyers fait. était venue nous appeler au secours Oui, de toute façon, donc nous voilà. nous sommes portés à son secours. C'est ça. Ok. D'accord. Eh bien, on va bien voir comment la police d'ici, la police autrichienne, va prendre l'affaire. Donc, en fait, on vous prend. Je sais pas ce que vous racontez au commissaire en charge, quoi, mais. Madame Meyers est venue nous demander de l'aide pour aider son mari qui était retenu malgré lui et mis en danger de mort à cause de Vous ses vous hommes. mettez d'accord pour tous sortir la même version, je suppose? Oui. Oui. C'est une version tout à fait Et je plausible. pense, enfin, si on est encore, enfin, si on nous entend pas trop, je pense que c'est bien de pas trop parler du fez à la police, du nôtre du moins. Ni du livre. Et pour le cadavre desséché Ni dans du le livre, oui. couloir? Oh bah c'est la chaleur. Il y a des problèmes de clim. C'est ouais. Ça, on laissera le C'est de la faute soin. de La faute de Memcaf Memcaf. de toute façon. On Oui, sait ça, on pas très laissera. bien comment il a fait, mais Ok. c'est de sa faute. Parce que lui, apparemment, à l'hôpital, il crie au vol et il crie comme quoi vous l'avez attaqué. Ah bon. Après, je ne sais pas. Voilà. Ah bah nous, on va soutenir qu'on défendait Madame Meyers. Hein. Nous étions en légitime défense de toute Très façon. bien. Ma... Fait. Je Tout à vous fait. signale qu'il Oh, s'est attaqué à des alors, ce femmes. qui. Oui.
Sans défense, comme moi, par exemple. Oui, c'est vrai. Et là, c'est Maillard qui prend la parole devant, devant les inspecteurs de là-bas. Oui, c'est vrai. Et en plus, on les sentait vraiment pas bien, là, tous ces hommes qui sont montés avec des fesses sur la tête. Enfin, loin de moi d'avoir quelque chose envers les Turcs. Mais ils étaient bizarres. Et depuis le début du voyage, on avait l'impression qu'ils maintenaient. Et oui, c'est vrai. Là, vous voyez. Il y a la demoiselle McGregor qui dit aussi, mais oui, c'est vrai, ce monsieur, on ne le voyait pas beaucoup sortir, il avait l'air d'être malade et on le surveillait. Et il y avait vraiment un drôle de sentiment dans ce wagon. Et en fait, vous voyez que toutes les personnes qui étaient là dans le wagon en même temps que vous corroborent plus ou moins vos faits. Et la comtesse, le comte, c'est pareil, le comte, quand il parle, il se pose là, on l'écoute, donc il y a. Donc lui c'est pareil, il corrobore ce que vous dites. Il dit oui, alors il y a quelqu'un de malade, apparemment il saignait de la tête, on pouvait pas l'approcher, on n'avait pas le droit de l'approcher. Ça sentait vraiment, très très bizarre comme ambiance. Cet homme Menkaf a l'air d'être très louche. Vous voyez. Puis ces types faisaient pleurer c'est tout exact, le temps Madame Meyers, il y avait vraiment quelque chose de. C'est une honte. Ces personnes ont pris la défense de la dame. Voilà, nous n'avons rien à voir là-dedans. Oh non, puis vous voyez que tout le monde s'offusque plus ou moins d'être là, donne sa déposition, puis après s'offusque d'être là en disant mais écoutez, c'est pas. Nous, voilà, on a un train à prendre. En plus, le comte commence à râler parce que voilà, on a un train à prendre, faut qu'on continue, faut aller jusqu'à Constantinople, il va pas nous attendre 500 ans, on a payé nos billets. Et ça fait plus ou moins une esclandre, et le baron en rajoute aussi en disant écoutez, vous pouvez pas garder ces gens qui apparemment n'ont rien fait, n'ont fait que défendre une jeune demoiselle en détresse. Et donc c'est plus ou moins en ayant noté toutes les dépositions. Alors à moins que vous disiez quelque chose de spécial, que vous ayez un télégramme à faire passer ou quelque chose, ou. En gros, ils prennent votre nom, date de naissance où vous êtes né, tout ça, enfin vos identités. Et ils vous expliquent qu'ils vont vous relâcher d'ici une demi-heure et que vous pourrez regagner votre train. Et que de toute façon, si jamais on a besoin de quelque chose, on vous le fera savoir et on vous contactera. Tout a l'air de bien se passer. Une demi-heure, c'est surtout en fait que c'est surtout en fait que vous avez avec vous en fait le conducteur du wagon et le comte qui est là, plus toutes les autres personnes qui étaient là dans le wagon pour confirmer que oui, il y avait quelque chose de bizarre qui se tramait à côté, quoi. Alors après, voilà. La personne qui était blessée était bien dans leur cuisine. Enfin, je pense. Et quoi? La personne qui était blessée, Monsieur Myers. Dans leur cabine en plus. Quoi? Non, je pense qu'elle était, dans la cabine de, dans sa propre cabine, Menkaf, Monsieur Meyer, c'est l'autre qui allait dans sa cabine. Oui. Il communiquait. Donc vous sentez que vous allez réussir à vous en sortir pas trop mal et donc pouvoir remonter dans le train. Donc c'est comme vous voulez. Si vous avez quelque chose à dire aux flics ou si vous voulez quelque chose à la police, pardon. C'est le moment. Vive l'Autriche, allons-y. C'est ça. L'Empire austro-hongrois. Je pense qu'on va rester discret. Enfin, pour ma part, je vais pas trop la ramener, je pense. C'est difficile de s'expliquer sur les tenants et les aboutissants de l'histoire. En fait, vous voyez surtout que quand le comte a parlé, on l'a vraiment écouté, quoi. Si on lui avait dit qu'il était en danger de mort. À qui? Au comte et la comtesse. C'était une intention, c'était une intention personnelle, mais si on est. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas, non. Je crois pas. Ouais, on voulait leur en parler, mais si tu te souviens bien, on avait discuté avec au wagon restaurant pour essayer de s'inquérir pourquoi ils voyageaient, etc. Ben, en fait, oui. Mais c'est... après, comme ils nous avaient l'air. Pas du tout mêlé à l'affaire, on n'avait pas insisté non plus. On pensait les surveiller, mais discrètement. Ça s'est envenimé à partir du moment où vous êtes rendu compte qu'ils vous connaissaient et que vous alliez au casse-pipe, en fait.
Donc, est-ce que vous faites quelque chose de, est-ce que vous faites quelque chose de spécial au commissariat? Oui, au commissariat. D'accord, on reste très discret. Comme ils vous disent, hein, au bout d'une demi-heure, vous revenez, ils vous lâchent. Et donc, vous pouvez, vous pouvez rejoindre l'Orient Express. Alors, en sachant que apparemment, ils ont fait affréter, enfin, ils ont nettoyé le wagon en fait le temps que vous soyez parti, parce que vous êtes quand même parti 2 bonnes heures, quoi. Et donc, vous allez à, que pour éviter de d'avoir du retard, eh ben, on va repartir l'Orient Express va repartir tout de suite. Ouais, c'est le même wagon. C'est le même wagon. D'accord. Ce sera intéressant peut-être d'aller voir dans certaines. Donc en fait tout le monde reprend sa place quoi. Je vous ai remis les petits trucs. Sauf bah en fait il n'y a plus Menkaf et toute sa clique. Ah non. Monsieur Madame Meyer sont plus là. Monsieur Meyer s'est pris est en observation à l'hôpital et Madame Meyer reste avec lui. Après Madame Meyer, si vous vouliez la voir, vous aviez moyen de la voir au commissariat, elle y était. Comme vous voulez. On lui demanderait. Nous a déjà pas dit pas peut-être, mal. Peut-être comme. Ah oui, mais on n'a pas discuté avec le baron. Le baron monte avec vous. Ah mais c'est difficile à expliquer parce que je pensais à Monsieur Meyer. Enfin, si peut-être que quelqu'un qui s'y connaissait plus en Fès que nous aurait peut-être été à même d'accélérer sa guérison, mais vu qu'il vient avec nous, ça va être compliqué. Ouais. Parce que Meyer, s'il est toujours... Ah bah Meyer, la dernière fois que vous l'avez vu, il se portait pas bien. Et il a toujours le fesse sur la tête. Ouais. Et bah, le souci, ça. C'est que s'il finit comme les autres dans le train, ça risque d'être un problème pour l'hôpital de Vienne. Mais je sais pas, à moins d'accélérer sa mort, j'ai pas bien d'idée pour le sauver. Quoi. En même temps, là, dans l'état, vous avez pas grand chose. Enfin, si, si il devient ce qui est devenu. Ce qui est devenu, je sais pas, par exemple Mathieu Pouk, oui, ça va pas être beau à voir, quoi. Tout ce que je pourrais faire, moi, avant de partir, c'est mettre en garde Madame Meyers. Oui. lui recommander de ne pas rester seule avec son mari et surtout de ne pas s'en approcher trop de peur d'être infectée par la maladie de son époux. Je pense que d'accord. C'est la seule chose que je peux lui dire voilà, sans... Elle vient de faire son jet de san. Bon. Mon Dieu, déjà qu'elle était pas bien, la peau. Donc, oui, bien sûr, oui, je ferai attention. C'est très contagieux, ah bon Madame Meyers, surtout. Parce que vous gardez vos distances, vous connaissez cette maladie, peut-être. Peut-être que vous pourriez m'aider. Pas très bien, mais d'après ce que nous avons pu voir... Sur les amis de Monsieur Memcaf, ça a l'air d'être une maladie qui emporte les gens très vite, y compris l'entourage. D'accord. Écoutez, je verrai, je ne sais pas, je vais aller le retrouver. On est où déjà? Ah d'accord, oui, d'accord. À Vienne. Je vais y aller. Voilà. Au revoir, madame. Oui, je crois qu'elle ne fait pas bon du courage. Courage. Donc du coup, vous faites quoi? Vous remontez dans le train? Retour dans le train? Ou vous rentrez à la maison à Londres et puis fuck la Turquie? Fuck. Non, on a encore notre colis piégé et dont il faut qu'on se débarrasse. Okay. Kassim, Nanandre. Je considère que tu as pu survoler le livre. Oui. Hein. Tu vois, genre en attendant un peu au début, en attendant de. En attendant chez les flics. Donc après, à toi de me dire ce que t'en fais.
ce que t'en déduis, ce que t'en fais. Ce que je vais faire. D'ailleurs, il y a quoi dans ce livre, Cassim? Ah oui, il y a quoi dans ce livre? Je partageais les infos, non? Oui. Ouais, bah après c'est surtout pour contrôler en fait le fez et les personnes qui portent le fez. D'accord, c'est les informations qu'on a devant nous. C'est le condensé, ça c'est un extrait, enfin, c'est le condensé. Ouais. D'accord. Donc c'est un livre très important, je pense. Hein. À remettre entre des mains avisées. On le détruirait pas. Alors, je rappelle que c'était écrit en perse. Donc en fait, ça relate les usages spécifiques du fez rouge sang, ses propriétés, la manière de s'en servir pour invoquer. Alors là, c'est pas marqué dans les extraits, mais par contre dans le bouquin, c'est clairement marqué pour invoquer Yogg-Sothoth et ainsi gagner du pouvoir. Je propose qu'on le détruise. Il peut rien. Il y a une section que vous ne pouvez pas lire car elle est en hiéroglyphe. Est-ce que par hasard le baron Von Hoffler serait pas à même de nous traduire les passages? Bah, tu peux toujours lui demander, hein, mais faut que tu lui fasses voir le livre. Il est spécialiste en sciences occultes, avec un peu de chance, il lit l'hiéroglyphe. Je crois pas qu'il y en ait aucun d'entre nous ici qui. Quand je dis c'est hiéroglyphe, c'est pas forcément du hiéroglyphe égyptien. Hein. C'est mais bon. Tu peux c'est voilà. Une langue, d'accord. Alors moi je suis un archéologue, donc je peux peut-être quand même essayer de lire. Identifier peut-être. Tu peux essayer. Ouais, peut-être identifier. Ouais. T'as des points là-dedans? Oui. Ok, c'est pas des hiéroglyphes égyptiens. C'est pas perse non plus, ça doit être une très vieille langue. Aztèque. Dis rien. Mais rien. Si, ça te dit. Si. Ça dit, est-ce que tu te souviens que sur les fez rouges, sans ce côté sur la. Donc je précise ceux qui étaient sur la tête, il y avait des symboles. Oui, il y avait des symboles. Ça ressemble étrangement à ces symboles-là. Ah, pas étrangement, hein, ça ressemble à ces symboles-là. Donc c'est toutes les formules magiques qui sont utilisées pour. Pour les fez et. Créer, je pense. Non, alors, en termes de jeu, drainer le fez, contrôler un serviteur du fez rouge sans créer le fez et favori dieu de Sothoth et contrôler le fez qui se trouve dans ce bouquin-là, vous avez moyen de les apprendre. Test d'intelligence, et voilà. Ce qu'il y a, c'est que là, on a tous les des éléments, quoi. On a le fez et on a le livre. On essaie de s'arranger pour comment ça, détruire cet ouvrage? Il en est hors de question, je m'en offusque, non. C'est le baron. Détruire le fez, peut-être. Ouais, mais on peut pas. Bah, on y va, le détruire. Oui. Il faut qu'on l'amène à... En gros, un sort, alors après c'est toujours le même truc, hein, mais en termes de jeu, et non pas roleplay, mais en termes de jeu, tu peux apprendre un sort par jour en 24 heures, mais faut avant que ça, faut que tu fasses ton test d'intelligence. Ok. Et après, c'est comme toujours les règles de Cthulhu, quand pour la première fois que tu le sors, tu le lances, t'es pas sûr que ça arrive, que ça marche bien, machin, bidule. Mais c'est apparemment des petits sorts, et un par jour, tu peux en apprendre un par 24 heures. Sachant que bien sûr il y a la perte de santé mentale qui va avec, des points de mythe qui augmentent, enfin c'est bon, c'est pas vos persos principaux, mais bon. Moi je veux bien l'apprendre aussi. Moi aussi, oui. Participer aussi. Ouais, alors, il y a que moi qui l'ai eu, personne, ça se mérite.
Ah non, D'accord. non, je lis le perso Mais par aussi, hein. contre, vous allez pas pouvoir nous prêter le livre, enfin, tu vois. Effectivement. Ouais, d'accord. Attends, mais donc, on est à Vienne. Vous arrivez dans 3e jour. Dans un jour et demi, vous êtes. Ouais, un jour, il y a un jour complet plus une demi-journée. Un jour et demi, vous êtes à Constantinople. Enfin, moi, je dis ça pour vous. Hein. Mais, si vous voulez commencer, je veux bien. C'est pas. Bah, ceux qui parlent le perse, par contre, effectivement, pas, s'ils ont envie je de. Je vous laisserai pas. C'est soit il y en a un qui se prend 24 heures, il apprend un sort avec le livre, mais vous pourrez pas être deux penchés sur le livre, quoi. Moi, de toute façon, pendant ce temps, à la limite, je discuterai bien avec le baron von Hoffler, savoir si lui, il a quelques informations sur les faits, s'il a déjà entendu parler de ce genre de choses, et. Parce qu'il a l'air intéressé, mais il a peut-être des informations que nous n'avons pas. Alors. Quand. Alors, attends que je dise pas de bêtises, vous êtes retourné dans le train. Avant de monter dans le train, petit détail, le baron Bonnefleur a été dire au revoir à quelqu'un, une jeune fille. Et après il est monté dans le train. Et là, en fait, le train repart. Il est dit alors vous avez perdu une bonne heure. Oui, vous avez perdu 2 heures même, on va dire. Donc il est 17, 18, 19, il est 20h. 20h, entre 20h et 20h30, le train repart. Et reprend sa route, ok. Pas réussi à savoir, pas reconnu en tout cas la jeune fille. Je vais m'approcher du baron von Hoffler et je vais lui demander, votre épouse ne vient pas avec nous? Oh, excusez-moi, j'ai vu une jeune femme sur le quai, je pensais que. Non, mais je vous en prie. Oh, pardon. Non mais c'est ma fille. J'essaye de tourner ça du coup en compliment. C'est je ne pensais pas que vous pouviez avoir une fille. Elle s'inquiète quelque peu que, vous... que j'aille à Constantinople, mais c'est pas grave. Vous savez, les enfants s'inquiètent toujours un peu derrière. Bon alors, ce livre, enfin ce Fès, hein, il est où? Vas-y. Je pense qu'on va se mettre au calme dans un compartiment déjà pour pas parler devant trop d'oreilles indiscrètes. Et puis je pense qu'on peut lui résumer un petit peu ce qu'on a vécu nous de notre côté avec. D'ailleurs, il a l'air de s'en moquer un petit peu. Ce qui l'intéresse, c'est le Fès. Ce qui l'intéresse, c'est le Fès, oui, j'ai bien. Enfin, qu'on aille encore. C'est un petit peu inquiétant d'ailleurs. Oui, moi ça me. Boîte aussi. Comment ça? On peut faire un test Oui, un test de quoi? De psychologie. Enfin, de voir si ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on lui raconte ou s'il veut. Qu'est-ce juste. Qu'est-ce que vous lui racontez? C'est bien beau de faire un test de psychologie, mais. D'accord. Alors, pour lui résumer l'histoire, je pense que les points principaux, c'est que le professeur Smith nous a chargé de convoyer ce fait jusqu'à Constantinople, jusqu'au. Professeur d'émir, d'accord, le fait, c'est le quoi. Et le souci, c'est que depuis notre départ, nous avons été suivis et harcelés par un certain monsieur Menkaf et son acolyte, monsieur Kapok, ainsi qu'un autre, qui est de toute évidence. Alors, on n'a pas très bien compris ce qu'il nous voulait finalement, mais il nous suivait depuis Londres et il nous avait déjà pris en filature vu qu'il nous connaissait tous. Oui. Jusqu'à cette altercation finale, là, juste avant d'arriver à Vienne, où tous les trois coiffés d'un fez, ils ont essayé de. En fait, ils sont un petit peu fâchés quand on a récupéré un livre, je pense. Hein. Surtout, ça les a mis très en colère. Alors, ce qu'on a. D'accord. Et voilà. Est-ce que vous en avez appris plus sur ce fez? Parce que moi, depuis le temps que j'en entends parler, tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont un fez sur la tête finissent très très mal, se transforment en horribles créatures avec une langue gigantesque et ne cherchent qu'à tuer ceux qui sont autour d'eux. Il doit être détruit. D'accord.
Ça, c'est une certitude. Vous savez, c'est ce truc qu'on parle quand on a un fez sur la tête. Apparemment, on obtiendrait des pouvoirs un peu... Alors, bien sûr, des pouvoirs de dieu sombre, mais qu'on arriverait à atteindre l'immortalité en contactant certains dieux. Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qu'il en est de Monsieur Beyers? Oui, mais peut-être s'y est-il mal pris. En tout cas, ceux qu'on a vus, ils sont vraiment morts maintenant. Transformés ou pas transformés, ça les a pas rendus immortels, ça c'est sûr. Et puis même Kaff, il n'était pas si fort que ça, puisque Fez ou pas Fez, il s'est fait promptement assommer et maîtriser. Donc je ne suis pas bien sûr des pouvoirs présumés de ce Fez. À mon avis, c'est juste une croyance populaire. Totalement dénuée de fondement. J'avais lu comme quoi... Immortalité, n'importe quoi. Créature... Ah oui, ça c'est sûr, créature, oui. Mais immortel, oui, ça m'étonnerait. Parce que vous n'avez enfin, pas été, pas parce eu pas été dans ce sens-là. Du rituel, non? Ah bah peut-être. Après, moi je dis pas le perse, hein, donc je sais pas si... Peut-être tout simplement, parce que vous lire le perse parce que vous avez quelque chose, vous avez trouvé quelque chose à lire. Bah oui, il y a Monsieur Kassim qui est en train de lire là devant vous. En perse. Ah, puis-je voir ce livre? Ça m'intéresse fortement. De même Kaff. Bon, c'est en perse, vous risquerez pas de comprendre grand-chose. J'ai quelques... Si, j'ai lire le perse à 4 ans. Eh ben, je lis le turc. J'ai un jet de compétences. Alors, ah, et je lis l'arabe aussi. Oui, bien sûr, oui. Je peux te faire un jet de compétences, ouais. Si tu veux. Voilà, très bien. Fais ton jet, je te donnerai ton livre après. Je fais deux. Prouve-moi que tu es capable de réciter je fais deux, et un alors, extrait. Je ne sais pas si je perso pour lui sous Fantasy Group, mais je l'ai sous les yeux dans le bouquin, et il a 20 en turc et 20 en arabe. Oui, je... Et j'ai fait deux sur mon dessin, tu viens de le voir. Ah non, un dessin, non, c'est un custom dice. Non. Ah oui. Je peux te ressortir le log, si tu veux. Non, mais je suis dans le livre quand même. Intéressant, Fanta. Puis il commence à regarder. Ah oui, et puis. Oh, quoi? Ah, contrôler le fez. Ah oui. Eh ben là, je commence à être un petit peu d'accord avec le professeur là. S'il commence comme ça, on va le surveiller de près. Yok sotot. Ah, contrôler. Et vous voyez qu'il est assis et qu'il est en train de. Limite, il bave sur le bouquin. Il a l'air très très intéressé. Je propose à Monsieur Kassim de reprendre son étude du livre. Oui, c'est ce que je comptais faire. Je lui demande poliment s'il pourrait me rendre mon livre en le prenant par la main et en lui disant maintenant que vous avez jeté un œil, je vais le récupérer s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je veux qu'il nous redonne. Tenez. Très très intéressant. Et vous faites quoi donc? Vous le lisez? Vous savez lire aussi le perse? Le turc? Le perse? Bien sûr. C'est quand même des origines. Et ça se voit un peu, vous êtes de là-bas. Oui, vous pouvez dire basané, ça va très bien. C'est le MJ qui a oublié. Oui, bien sûr, oui, non mais... Ok. Eh bien écoutez, je serais ravi de faire la route avec vous jusqu'à... Et après de... Donc... Et vous connaissez alors, le professeur Demir, l'ami du professeur? Je le connais de réputation, s'est croisé quelques fois, mais lors de réunions qu'on avait avec le professeur Smith. Mais, oui. Et qu'est-ce qui vous motive à vouloir nous aider pour bien le fait, à, du moins, vouloir le fait, aider le professeur Smith? C'est pouvoir. C'est quand même incroyable comme histoire. Mais vous en aviez déjà entendu parler dans avant des vieilles, que... Oui, mais ça c'est un peu mon dada, vous savez. Quand je ne sais pas quoi faire de mon temps perdu. J'adore l'occulte. Vous avez déjà eu affaire à des phénomènes étranges tels que celui-ci? Certains, oui, peut-être. Comme vous des choses parlant de dieux sombres et anciens. Enfin, des choses qu'on parle... Lors de soirées peu spéciales.
Mais vous savez que ce sont des artefacts dangereux. Que là, dans ce cas, le professeur Smith nous a expressément commandé de le détruire avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il vous a demandé de le ramener au professeur Demir. Ah non, non, il nous a demandé de le détruire. Comment ça ? Pas détruit. Demandez au professeur, il sera d'accord avec moi, n'est-ce pas, mon ami ? Pour qu'il soit détruit, il n'y a aucune intransigeance avec ça. Faut que ce oui, lit disparaisse de la surface professeur... de la Terre. Faut vous l'emmener au professeur Demir. De la surface de la Terre. L'un des seuls peut-être pouvoir en faire quelque chose. Bah, nous comptons sur son aide, effectivement, pour le détruire, mais... La motivation oui, finale mais le reste professeur celle-ci. Smith a toujours été un peu... Bon, non, je le rejoins sur ses conclusions. Hein. Après avoir vu ce que j'ai vu, je pense que ce livre est beaucoup trop dangereux. Le Fez est beaucoup trop dangereux. Vous auriez vu les horribles créatures que les gens deviennent en portant ce genre de Fez, je pense que vous n'hésiteriez pas une seule seconde. Et que semer la mort autour de lui. Oui, mais vous savez, moi je suis du côté du bien, hein, n'ayez aucune crainte. Enfin, mais il faut qu'on s'intéresse à ce fait, quoi. Enfin, justement. Et pourquoi nous remercions de vous avoir financé le trajet. Mais c'est quand même fort intéressant. Mais non. Bon, très bien. Je vais prendre. Je vais prendre un peu de repos dans ma cabine. Fort bien. Donc il est pas dans votre si, il a réussi à prendre une cabine qui a été nettoyée en fait. Donc il est dans votre wagon. Je vais vous le mettre. Hop. C'est intéressant de trouver un moyen peut-être de fouiller les cabines. Il est arrivé ici. D'accord. En cas où le service de nettoyage a été Ben, tu sais, Kassim, il l'avait fouillé, je crois, là. C'est non, c'était meilleurs, la cabine de meilleurs. Est-ce la cabine des meilleurs, c'est trouvé ça, aussi ouais. Une note, Kassim. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, avec les harems, tout ça. Ouais, oui, voilà, ça, comment je me rappelle. Ça, oui, c'était presque ça, c'était pas ça. C'est un message avec tous tes rêves et tous tes harems, je sais plus quoi, là. C'était ça. Alors, nous, ça nous dit rien. Bah, je suppose qu'il vous l'a fait voir, non ? Oui, je la montre. Le plaisir de tous les harems, de tous les mondes. Et ça, c'était dans les affaires de Mimkaf ? Non, c'était dans le livre. C'était sous l'oreiller de l'oreiller de Monsieur Meyers. Il y aura une promesse. Oui, je pense. C'est comme ça qu'il a acheté Monsieur Meyers, hein, je vois que ça. Ah. J'ai pensé à ça, moi. Ah, bien vu. Ok. Il dit qu'une femme, ça ne suffisait pas. Ouais. Ça résonne rien dans ce que Cassim a pu lire dans le livre Les Murmures du Fez. Est-ce que ça résume quelque chose Non, enfin. Ça renvoie à quelque chose qu'il a pu lire. Est-ce que cette phrase-là a quelconque rapport avec les murmures du Fez ? Non. Voilà. Ouais. Non. Donc on en est où là ? Hop, hop, hop. Je regarde où on en est au niveau du train. Budapest, minuit. Vous arrivez à minuit, en gros à minuit à Budapest. On minuit bien tassé, ouais. Il y a un wagon... Il y a un wagon Berlin-Constantinople qui est attaché. Donc c'est pour ça que vous allez attendre 20 minutes. Et et voilà, il y a une nouvelle personne qui rentre dans le wagon. Faut pas déconner, il y a des gens. Alors, où c'est qu'elle est ? Bah, comme c'était pas assez compliqué. Où c'est que je l'ai mise, elle ? Comment ça, c'est compliqué? On arrivait à peu près à s'y retrouver. C'est vrai qu'en faisant un petit peu de ménage parmi les passages. Une jeune demoiselle.
c'est bon, elle est dans son... Oui, c'est bon, elle est dans son... Ouais. Asiatique. Non. Enfin... Ah. Tu la regardes ou... Tu la regardes avec assistance ou pas? Ah, je sens. Oh, insistance, peut-être pas. Je ne voudrais pas lui manquer de respect. Mais est-ce que je reconnais un visage... Ah, remarque, je... Enfin, est-ce que je reconnais un visage asiatique ou turc ou perse ou européen? Le visage, ça te fait bizarre en fait. On dirait qu'elle est on va dire européenne, mais tu vois. Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui paraît bizarre, hein. Sachant que là, je vous ai fait une photo, mais en plus, elle porte chapeau, donc tu vois pas forcément bien son visage. Non. Chapeau, c'est un fesse de chapeau. Le mec, quoi? Un... On voit des fesses partout. Et ça pourrait être un fesse sous son chapeau. Est-ce qu'il pourrait, enfin, d'après les dimensions. Alors là, ça peut être facile à dire. Non, mais tu vois que depuis qu'elle est rentrée, elle ressort de sa cabine. Salut comme il se doit à chaque fois qu'elle passe à côté de moi. Elle est seule. Ok, tu vois qu'elle... en fait, ouais, elle essaye plus ou moins... Toi, t'as l'impression qu'elle essaye de se cacher. En fait. Ah, d'accord. Elle a pris la... Ouais. La chambre de monsieur et madame Meyers. Savoir, non, c'est pas la chambre... Donc là, le prochain arrêt sera à 5h40 à Belgrade. Rejoindre la Serbie et à Belgrade, c'est ça. Ok. Moi, je propose qu'on fasse comme la nuit précédente en faisant un tour de garde. Mm-hmm. Ouais. D'accord. En mi-temps, yep. On se partage ceux qui sont deux dans la cabine et puis peut-être deux dans le couloir comme on avait fait là pour voir un petit peu ce qui se passe la nuit. Ouais. Et s'il n'y a pas Monsieur Peters dans le couloir, je vais essayer d'écouter aux portes tous ces nouvelles personnes. Ah bah, nouvelles personnes, à part le baron et l'espèce de femme au kimono, là. Enfin, la femme au kimono. Mm-hmm. Oui, tu peux. Si jamais Monsieur Peters n'est pas là, bien sûr. Bah, tu sais, c'est comme d'habitude, hein, quand le dîner est servi, vous pouvez le retrouver dans la voiture. Alors, on va faire. Ouais, bah oui, il est minuit. Il est minuit. Il est minuit, là. Servi en... Comme ça a été un peu le souk ce soir, en fait, ils vous ont servi les dîners dans les wagons, d'accord, dans les chambres. Ça a été un peu le souk pour s'excuser, machin, truc. Hein, voilà. Donc, on vous a apporté à manger dans les chambres, puis comme ça a été assez tardif, du coup. Et donc, il est minuit. Il est minuit. Je me propose pour le premier tour de garde, mettons jusqu'à 3h du matin, vu qu'après on a encore 3h. Ouais. Ça fera une petite nuit, mais bon. Oui, bah moi je t'accompagne. Mais comme ça je peux fumer dans le couloir, c'est bien. Moi je me plante en plein milieu par contre du couloir avec mon fauteuil. Ok, quelle heure? Vous faites ça à quelle heure? Bah nous on prend le premier... Oui. La première moitié de minuit. D'accord. À 3h, hein, c'est ça? Et les autres, ils auront de 3h. Je sais plus qu'à quelle heure t'as dit, 6h? 5h40, vous êtes à 6h, on arrive à Belgrade. 6h, 5h40. Ok. Alors toi, pendant la nuit, le seul truc que tu vois de notable, c'est la femme au kimono qui sort. Elle vous regarde, et puis elle re-rentre. Ah, d'accord. C'est l'effet que ça vous a laissé, ouais. Elle avait pas de fesses, non. Non. Bon bah, si à 3h, il n'y a rien d'autre qui s'est passé, on réveille nos deux comparses et puis on s'alterne, hein, je pense. Ok, vous faites comment pour alterner? Ouais. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que Cassim, moi, il faut pas que... Bah, Cassim, je dors dans la cabine de Cassim, alors du coup. T'es pour pas... censé, pendant 24 heures, lire un bouquin. Ah oui.
Alors je laisse l'ouverture si jamais il y a un problème que je puisse entendre là avec la porte de la salle de bain et moi je dors un petit peu pendant le temps qu'il lit parce qu'avec la lumière c'est pas facile. Il y a Henry Peters qui vient vous voir et il fait ça va? Tout se passe bien? Vous êtes moins. Un peu moins sur le qui-vive ou je vous vois toujours plus ou moins guetter quelque chose? Et on a plus de danger Ah, maintenant? disons qu'avec les événements passés, c'est un petit peu dur de trouver le Vous sommeil, mais savez, bon. je me ferai plus avoir. Et tu vois qu'il ouvre sa veste et qu'il sort un pistolet. Ah, bonne initiative, Monsieur Peters. Je Vous sais avez pas raison, m'en, vous serez prêt à je sais pas tout. m'en servir, Vous mais je savez serai vous pas en... avoir. Ah, j'allais vous demander si vous saviez vous en servir. Après, c'est vrai que dans le train, c'est pas bien pratique pour vous entraîner, je C'est quand même comprends incroyable tout ce qui. à fait. C'est quand même Ne vous en faites incroyable pas, ce qui nous est arrivé. c'est dissuasif déjà. Oui? Dites-moi, Monsieur Peters, vous savez qui est cette dame au kimono qui a pris la cabine des meilleurs? Oui, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est une jeune femme qui avait réservé une chambre à partir jusqu'à Constantinople. Enfin, qui avait réservé une chambre. Réservé un compartiment jusqu'à Constantinople, oui. D'accord. Ce compartiment est déjà réservé, Alors, normalement, jusqu'à oui, alors, Constantinople. bah, Comment elle parce a qu'on l'a pu... ramenée ici, parce que ça lui faisait une chambre simple, on l'a fait bénéficier d'une chambre simple, alors que normalement, elle était dans une chambre double dans un autre wagon. Et elle a demandé si elle pouvait D'accord. justement ne pas être dans ce wagon-là, alors je sais pas pourquoi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vais vous laisser un peu. Je vous laisse un peu surveiller le wagon, moi je fais ma rotation. La dernière Oui, fois que vous avez ben, fait je ça, suis ça bien m'a obligé d'aller fini. me reposer un petit peu. En fait, je reste là 24 sur 24 et je ne dors pas. Je suis bien obligé d'aller me. Là, nous sommes tranquilles jusqu'à Belgrade. Allez, je vous souhaite une Très bonne bien. nuit et endormez-vous promptement. N'ayez pas peur, tout est fini. Et il s'en va du wagon. Et tranquillement et calmement. Alors, je vous. Oui? Moi, je dors jusqu'à D'accord. Belgrade. Sauf s'il y a du Qui. bruit. Oui, parce qu'arrive un moment, vous en avez quand même plein le cul, là, des tours de garde, des trucs qui vous arrivent la nuit. Ça fait 2 jours que vous êtes vraiment pas à l'aise, ni vraiment pas. Vous êtes pas serein, donc vous vous reposez pas bien, donc c'est pas facile à tenir le rythme. C'est sûr. J'ai besoin de savoir à qui est Après, la à 5h du phénaline matin dans le couloir. Ah, c'est D'accord. moi, professeur. Professeur Worst et puis Georges. Georges Vous Banks. voyez Et Georges. la femme au kimono qui ressort. Madame, bien Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Enfin, bien. Bon matin. Je vais Et tu vois l'interpeller qu'elle se si dépêche je d'aller si j'y arrive. devant la porte du baron et elle toque à la porte du baron. Qu'est-ce que c'est qui est-ce? C'est moi. Moi? Oui, laisse-moi entrer. Vous entendez la porte qui s'ouvre et hop, elle rentre à l'intérieur. Je vais écouter à la porte. C'est une habitude. Ce serait pas une manie, Georges, que vous avez mal, une mauvaise manie que vous avez prise? J'écoute à la porte. J'ai peur, il y a des choses comme ça. Non, listen. Spotaiden, peut-être? Listen, mais bon, Pardon. après. Je sais pas, vas-y, fais ton listen. Oui. Si jamais tu le chies, je veux dire. Voilà. Ok. Voilà. Alors, pendant un moment, t'entends. Non, mais. Il faut absolument que t'arrêtes ça. Si. C'est n'importe quoi ce que tu fais. T'es devenu complètement fou depuis cette histoire. Tiens, bois ça. Et t'entends le baron qui répond, oui, ah d'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une médication, je t'ai toujours aidé, je t'ai toujours aidé, je t'aiderai toujours, c'est une médication. Oh d'accord, tu m'agaces. Et après, vous entendez plus rien. Que je me suis remis effectivement dans le couloir pour que si jamais elle veut sortir de la pièce et puis qu'elle ne me trouve pas collé à la porte. Ok. Et ça dure longtemps qu'on n'entend plus rien? Ouais, bah il est 5h35. On annonce que vous allez arriver à C'est-à-dire que moi Belgrade. je. Je vais taper à la porte. Ouais.
pas loin. Ouais, elle répond, ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre un cri. Oui, est-ce que tout va bien? Oui, Ah, puis zut, laissez-moi! Tu vois, alors, en fait, tu vois qu'elle sort et que le baron est à moitié affalé sur elle, à moitié en train de dormir sur elle, et elle est en train. C'est pas le trait. Elle l'emmène sans que lui s'en rende trop compte. T'as l'impression qu'il. Presque comme un zombie, tu vois, les yeux un peu fermés, la tête dans le vague, il la suit, mais. Le train arrive en gare de Belgrade et elle s'apprête à descendre. Sous le bras. Et vous voyez que lui, il a l'air passablement, on va dire, drogué. Soit très fatigué, soit drogué. Que vous faites, madame, avec. Eh bien, je l'emmène. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je crois qu'il n'est pas vraiment consentant de vous pour vous suivre là. Oui, puis surtout on est. Tu vois qu'elle enlève lui, son chapeau, elle enlève une perruque, elle te regarde et puis elle fait. Vous croyez qu'il n'est pas assez. Vous croyez que je suis pas assez responsable de mon père pour l'enlever de ce train? En fait, quand elle enlève sa perruque et qu'elle enlève son chapeau, vous pouvez remarquer plus ou moins que c'était la fille que vous avez vue, mais alors de très loin, vous l'aviez vue de loin sur les quais de la gare. Alors écoutez, mademoiselle, il va falloir nous expliquer des choses parce que on va mademoiselle pas. Mademoiselle Von Offler, s'il vous plaît. En affaire avec. Mademoiselle Von Offler, en attendant le baron. Non, baron, il vient avec moi, il est complètement fou, cette histoire le rend fou. On s'expliquera tous ensemble. Je l'amène à l'hôpital. Voyons. Depuis qu'il est sur la trace de ce livre et de ses chapeaux, il devient fou. De toute façon, je vois pas pourquoi je vous parle. Il nous avait semblé. C'est mon père, je l'emmène à l'hôpital. Et je crois que vous avez raison, il a l'air tout à fait fasciné par ce qu'on lui a montré. Et je pense que vous prenez peut-être la bonne décision. Et alors, qu'est-ce que ça lui arrive depuis longtemps année, oui, depuis qu'il a connu ce démir. Il a toujours été plus ou moins dans l'occulte, vous savez, des fois il fait des réunions très bizarres le soir, où ils se disent des choses extrêmement bizarres, ils font des choses affreuses. Enfin, je voudrais qu'ils sortent de tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez m'empêcher de l'emmener? Vu que vous prenez bien soin de lui, aucune raison, nous en tant que gentlemen, de vous empêcher de prendre aussi bien soin de votre parent. Très bien. J'essaie de lui faire les poches en même temps. Pas à la dame. Les poches de la fille, tu fais ou... Ah, par non, contre, tu peux remarquer qu'il part sans aucun bagage, quoi. Tout ce qu'elle veut, c'est sortir du train. Ah, bah, c'est parfait. En fait, si jamais j'ai l'occasion de. Effectivement, de prêter les poches du baron, j'essaie de. Voir ce qu'il peut y avoir dedans. Ah bah non, tu veux faire un pickpocket sur le baron? Bah vas-y si tu veux. Oui. Pickpocket. Je cherche. Merde. J'ai marqué dans les notes. La traduction. C'est pas State of Hand. Hop là. Tour de passe-passe. C'est ça, parce qu'il y a rien d'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on va dire que c'est ça. Eh ben non. tu te trouves. Alors, si t'arrives à passer tes mains, c'est hop. Mais non, tu ne trouves rien de probant. Le train arrive, c'est un tout petit arrêt. Donc, Belgrade, c'est un tout petit arrêt, ça s'arrête 10 minutes. Vous la laissez partir ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On la laisse partir? On va dire qu'on discute tous ensemble, la tête reposée, parce que là, elle part comme ça, sans les bagages, sans. À tête reposée, ça peut être facile. Je te dis, vous avez 5 minutes. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une petite gare. Je propose de la laisser partir, nous, ce qui nous intéresse, c'est ses bagages. Pour une sorte, on a encore une déformation. On laisse partir. Il nous apporte pas grand chose. Vous le voyez qu'à peine arrivé dans la gare, elle le prend sous le bras et pouf, il s'en. Vous la voyez se fondre dans les quais brumeux de la gare.
de Belgrade. Belgrade, 10 minutes d'arrêt. Eh bien, direction la chambre. Vous voyez que sur... lorsque vous repérez quand elle s'en va, c'est en fait qu'il y a deux personnes qui l'attendent en bas du train. Un jeune avec qui elle a l'air d'avoir quelques relations proches, voilà, et puis proche. Un peu plus bedonnant sur la cinquantaine, avec une petite mallette. Vous faites quoi? Je vais fouiller sa cabine. Ok. Au baron? Au baron. Title. Ok. Réussi. Tu trouves rien de spécial. Il y a. Alors il y a des bouquins, mais des bouquins qui parlent de créatures de l'ombre, de comment les invoquer, les contrôler, trucs comme ça. Tu comprends, ouais, comprends pas grand chose. Professeur Watts ou Monsieur Cassim. Tu vois qu'il a, il avait un peu ce que vous aviez réussi à tirer l'apocryphe du Fez. Tu sais, c'était ce que vous aviez réussi à attirer des informations des bibliothèques. On appelait ça un apocryphe. C'est ça. Hop. Et donc c'est l'apocryphe du Fez, voilà. Donc ce qu'il en savait lui, il savait un peu de l'histoire du Fez. Enfin, il sait un peu de l'histoire du Fez. Vous vous souvenez de ce document-là, là ? C'est en fait ça, c'est plus ou moins ce que tu connais, oui, du Fez quand tu arrives à faire des études dans les bibliothèques un peu partout en Europe. Quoi. Ok. Donc lui, il avait plus ou moins réussi à récupérer des documents qui lui faisaient, qui lui apprenaient ça. Et voilà. Et on... Intéressant de voir dans la cabine de la dame aussi. Ah, vous pouvez là, parce que j'allais dire Martin, il est pas là. On a le temps. Comment il s'appelle déjà lui? Henri. Henri, pendant les escales, il s'occupe de monter et descendre les bagages. Et de ravitailler la bouffe aussi. Je vais les voir. Ok. Rien. Mais quand tu dis rien, mais rien. Rien, tu te rends compte maintenant qu'elle n'a même pas de bagages en fait. Elle est rentrée sans bagage, elle est ressortie sans bagage. Ok. D'accord. Henri Peters qui revient, Peters qui revient juste avant que le train reparte. Bah, ils sont partis. J'ai vu le baron et accompagné de la femme. Oui, ils sont descendus à Belgrade. Ah, je connaissais. D'accord. Et sa fille. Donc, quand même étrange ce voyage. Bon, très étrange. Je vous l'avoue, c'est très mouvementé. Bon, mais très bien. Bah, écoutez, le petit déjeuner sera servi à 9h. On pourrait en faire des livres et des films de ce, livre, voyage en train. Ok. Petit déjeuner, ça tombe bien. Ok. Petit déjeuner, 9h du matin, vous est servi toujours avec les petits. Donc nous sommes à on est où là? Belgrade. 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 J'ai pas du tout préparé. Aucun nouveau passager. Ben non. Du coup, il y a personne. Qu'est-ce qu'ils mangent à Belgrade le matin? Belgrade le matin. Des croissants. Ouais, c'est de la charcuterie, sûrement du pain noir et de la charcuterie. Du pain noir, de la charcuterie. Du pain noir. C'est le pain noir allemand. Alors, là, le truc petit qui se mange pas en vrai. Riche. Ah, d'accord. Ok. Ok, bien sûr.
Ah ben voilà, on vous fait goûter du slatko, une confiture traditionnelle très sucrée. Voilà. Ah oui, et puis vous vous rapprochez, plus vous vous rapprochez. Alors vous, vous savez pas, les Anglais, vous buvez du thé, je suppose, mais. Ah oui, attends, je suis bête, on est avec quel perso là? Si oui, c'est bon. Cassim, plus tu te rapproches et plus tu sens qu'ils font des efforts sur le café et que le café est presque servi à la turque. Ok, donc ben là, clairement, si vous faites rien jusqu'à. Ben là, il vous reste une reste journée. Combien de temps, il vous reste une journée, donc dans la journée, il se passe pas grand chose. Moi je dors non, alors mais, du coup c'est j'ai vrai, quelques vous blessures à comtesse, réparer. Ils discutent de temps en temps, ils viennent vous voir, ils discutent de la pluie, du beau temps, de ce qui est arrivé. Ils sont contents de presque arriver à Constantinople. Mmh.